Et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va parler recyclage et des déchets agricoles que je peux produire sur mon exploitation et qu'est-ce que je fais pour l'environnement pour éviter un impact négatif. Donc allez, on se retrouve après le générique et je vous explique tout ça. C'est parti. On est le 17 avril. Aujourd'hui se déroule sur mon canton l'opération campagne propre. En quoi consiste cette opération? Sur une journée, au sein d'une coopérative, il y a un point de collecte de tous les déchets plastiques qui ont pu être utilisés par les agriculteurs. Donc un point de collecte pour regrouper tous les déchets. Ensuite, les déchets seront récupérés pour être recyclés. Donc c'est un peu le but, d'où son opération. D'où le nom de l'opération campagne propre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme déchets plastiques et que l'on peut utiliser au cours de l'année? Eh bien, on a des filets qui permettent de tenir le fourrage. Bon, là, en l'occurrence, la paille. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? On a des ficelles qui tiennent les bottes carrées de paille. Et également, je fais de l'ensilage. Donc, j'utilise des bâches, comme vous pouvez voir derrière moi, avec les transparentes et tout ça. Donc, j'utilise ces plastiques pour conserver mon fourrage et ensuite ça me permet de le donner à mes animaux. Mais après, il faut bien leur apporter une seconde vie. Donc, mais également, j'ai tous ces sacs, c'est des anciens big bags d'engrais ou de chaux. Donc, je les ai stockés pendant tout l'hiver. Aujourd'hui est venu le temps pour eux d'aller à la collecte afin d'être recyclés.
Donc, pour avoir discuté avec le responsable au niveau du site qui s'occupait de collecter les déchets, il est sur un nombre croissant. Chaque année, de plus en plus de déchets sont collectés. Preuve qu'il y a bien une prise de conscience de la part des agriculteurs et des éleveurs pour tout ce qui est recyclage, que ce soit les bâches, mais aussi, j'ai oublié de vous parler, les produits phyto. Qui sont également les emballages de produits qui sont également recyclés. Voilà pour cette vidéo assez courte. Je voulais vous montrer que les agriculteurs également étaient sensibilisés à la pollution et à l'environnement. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien.